We breathe more than 25,000 times a day, inhaling 10,000 liters of air into our lungs. Through this vital reflex, we are exposed to airborne threats, such as particulate matter, which can affect our health in the near and medium-term future, but also our long-term sustainability. According to the World Health Organization, air pollution caused by natural and human activities is the biggest environmental risk to health in the European Union. This is why the European Commission launched the Horizon Prize on Materials for Clean Air in 2015. This 3 million euro prize rewards the person or the team that has developed an innovative and well-designed material solution to reduce the concentration of particulate matter in the air. Aujourd'hui, la technologie de purification d'air de Corning est en stade de développement. Nous avons de très bons résultats au niveau de prototypes qui nous permettent de montrer des qualités d'air qui sont inférieures aux seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces filtres peuvent être soit mis dans des stations de purification, soit insérés dans des gaines de ventilation des bâtiments. En faisant ça, on peut protéger une population importante dans des environnements confinés tels que les stations de métro, les gares, les aéroports, ou protéger une population particulièrement vulnérable comme les enfants dans les écoles ou dans les hôpitaux. C'est particulièrement important d'avoir ce genre d'initiative de financement public, en particulier de la communauté européenne, pour pouvoir financer le développement de stations expérimentales de plus grande taille dans un environnement réel afin de mieux comprendre les besoins, les modèles économiques, sachant que nous envisageons peut-être d'être prêts à temps pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.